Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Super League européenne qui a fait son entrée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas les frérots, on en parle dans cette vidéo. Mais avant d'aller le point, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir. Et nous les mecs, on est parti pour parler de la Super League européenne. Donc les frérots, c'est maintenant officiel, la Super League européenne vient faire son entrée. 12 clubs européens ont annoncé la création d'une Super League, nouvelle compétition semi-fermée qui viendra logiquement concurrencer la Ligue des Champions de l'UEFA. Par un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, cette entité font un coup de force et assure que la saison inaugurale démarrera aussitôt que possible. Donc il y aura 12 clubs fondateurs, 3 autres qui sont bien évidemment attendus. Le documentaire précise le nom des 12 équipes concernées, information qui avait déjà filtré quelques heures plus tôt. Il y aura donc l'AC Milan, Arsenal, l'Atlético Madrid de Diego Simeone, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus et Liverpool. Et sans oublier Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham. 3 autres clubs doivent encore s'ajouter à ces 12 membres fondateurs. Florentino Pérez est nommé premier président de la Super League. Joel Glazer fils est donc logiquement le vice-président. Le format sera, selon le communiqué, le suivant. 20 clubs participants, dont 15 clubs fondateurs et 5 équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente. Les matchs se disputeront en semaine avec des clubs qui continueront de jouer dans leur ligue nationale, préservant ainsi le calendrier traditionnel des matchs qui reste au cœur de la vie des clubs. La saison démarra en août avec la participation des clubs répartis en 2 groupes de 10 qui joueront leurs matchs aller et retour. Les 3 premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Les 4e et 5e de chaque groupe jouent un barrage pour les 2 derniers tickets de quarts de finale des playoffs. Aller et retour seront organisés jusqu'à la finale qui se jouera au match, match simple comme d'habitude, comme la Ligue des Champions, fin mai sur terrain neutre. Reste à connaître l'issue des négociations que les membres de la Super League souhaitent entamer avec l'UEFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle Super League et pour le football dans son ensemble. Mais les mecs, on l'a vu, tout le monde a donné, excusez-moi, son avis. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord car tout simplement c'est éclaté. Voici en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à aussi à liker la vidéo si elle t'aura plu. Et voilà, salut les mecs.